Je vais faire ceci. Flèche magique. Eh, hey, 71! Ah la vache! Très bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de l'économie, donc de Dofus 1.29 qui est franchement parfaite. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Effectivement hier j'ai pu mettre quelques ressources, vraiment beaucoup même, des ressources. Et finalement bah, en fait je me suis fait vraiment, enfin plutôt pas mal de Kama avec des petites ressources en fait que j'avais droppé hein, par-ci par-là. D'ailleurs j'ai on va dire trouvé une petite technique Kama, regardez rien que là 100 000 en HDV, donc j'ai mis pas mal de ressources hier, donc vraiment franchement l'économie pour moi elle est quasiment parfaite. L'économie de Dofus 1.29 en fait c'est l'opposé. C'est exactement l'opposé de Dofus 2.39. C'est-à-dire que Dofus 2.39, rien ne se vend, il y a beaucoup trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs. Alors que là, c'est l'inverse sur 1.29. Il y a beaucoup plus de gens qui achètent, du coup les prix sont bien, sont parfaits même. Même si effectivement les prix ont tendance à baisser à cause de certaines personnes nuisibles qui jouent 8 Enitrof, enfin 7 ou 8 Enitrof, qui arrivent à faire ça même sur 1.29. Je comprends pas ce genre de personnes. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, on en a parlé un petit peu dans la guide, effectivement. Je sais pas où ils trouvent le plaisir de créer 8 Enitrof et de faire du farming comme ça. Moi, j'estime que c'est mieux d'avoir une team. Bah, déjà, bon, d'avoir une team, voilà, ça baisse un petit peu l'économie. Mais si en plus on a 8 Enus, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, les gars, aujourd'hui, on se retrouve avant tout aussi pour aller justement direction Automate. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dois de restat mon Yop en fait avant niveau 60. Donc je crois que j'ai quasiment tout acheté. Il manque plus qu'en fait à acheter le gros boulet. Le gros boulet d'ailleurs, bon, que je vais acheter sur le CRA. Donc pour aller sur l'île Automail en fait, il y a pas mal de choses à avoir. Genre deux pointes de flèche du bord carché, un gros boulet, une oreille de canigrou et une huile de sésame. Donc l'huile de sésame j'ai déjà acheté. Le gros boulet il manque plus que sur le CRA je crois. Donc là je vais aller l'acheter, ça coûte pas très cher, ça coûte 8000 Kama. Enfin, pas très cher, ça dépend pour qui. Le gros boulet, voilà, 8000 Kama. Bon, moi j'avais 15000 K sur le CRA, mais de toute manière, quand je serai stuffé combat, vous en faites pas, je vais farmer comme un gros porc, si j'ose dire. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup farmé. Vous allez voir que le farm, au final, ça rapporte vraiment beaucoup de Kama. Alors, du coup, le gros boulet, est-ce que je l'ai acheté sur le Yop aussi? Oui, je crois que je l'ai acheté. Tiens, il y a un abonné, je crois que sur la même map que moi. Donc, fantôme, voilà, c'est fait. Donc, le gros boulet, je l'ai sur le Yop. Ok. J'ai acheté également l'huile de sésame x3. Gros boulet x3. Oreille de canigrou. Et les pointes, je les ai déjà. Et donc, oreille de canigrou. Faut que j'aille dans ma banque. Faut que j'aille dans ma banque. À moins que je les ai sur moi. Non. J'ai quasiment tout déposé. Par exemple, le donjon Blap, je vais le farmer comme un dingue. Rien que parce que les pollens de blob ça coûte vraiment pas mal de Kama. Enfin surtout en masse quoi. C'était quoi que je voulais? Des oreilles de cani. Ah bah j'en ai... Il m'en faut combien? Deux? Non, une seule, donc il m'en faut trois vu que j'ai trois persos. Voilà, bah je crois que j'ai tout. Sauf que en fait quand j'arrive là-bas il faut que je drop des trucs. Genre tronc de cococo, etc. Donc ça aussi il va falloir que j'achète avant, comme ça dès que je serai sur l'île bah ça sera beaucoup mieux pour moi. Donc cette vidéo en fait je vais juste me rendre et en même temps vous parler d'économie un petit peu, qui est vraiment magnifique hein, je trouve rien à dire. Mais avant tout me rendre sur l'île Automail. Donc là on a quelques trucs à acheter, donc ces trucs qui coûtent pas forcément cher sauf le coffret du flib en fait qui est un petit peu bon, qui coûte 4000 K je crois, un truc comme ça, 3000. Donc ça va, moi je suis quasiment à 300 000, bon bah du coup je vais baisser un petit peu niveau Kama, mais j'attends justement de restat le Yop avant niveau 60, parce que sinon après je vais devoir faire le donjon, alors je sais plus, c'est le gars là, le fantôme, Gourlot le terrible, voilà, il me semble que c'est ça. Donc voilà, le flip c'est ok, le tronc de cococo, maintenant on va acheter ça, noix de cococo aussi je crois, ouais. Et ça coûte rien, encore moins cher.
Autant le prendre x10. Hop. Ok. Ensuite, 30 cococo. Coco paille aussi. Donc coco paille ici. Il m'en faut 3 encore. Putain, la vache, par 100, ça coûte rien du tout. Ok. Et puis 30 cococo, je crois. Tronc de cococo, je crois qu'on l'a pas ici. Bah oui, ça doit être HDV bûcheron, bien sûr. HDV bûcheron. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais stuffer en tout premier le yop en panneau combat. Comme ça, là, je pourrais rusher les donjons, genre blob ou bouffe. C'est beaucoup plus facile. 30 cococo, bah voilà, c'est pareil, ça coûte rien. Donc c'est super, les gars, je crois qu'on a déjà toutes les ressources. J'en suis quasiment sûr, on a toutes les ressources, on a les boulets sur chacun, les gros boulets, les flèches, les huiles. Je suis quasiment sûr que j'ai tout. Donc les gars, sans plus tarder, j'ai envie de vous dire rendez-vous à Sufokia, je crois. Ouais, en 15-28, c'est parti. Alors, le zap. Je pense que je vais devoir à Macna parce que... Château d'Amacna, non. Mini futaille à la limite. Parce qu'en fait, j'ai pas le zap Sufokia. Donc je pense qu'on va se rendre là-bas. Voilà, c'est parti. J'espère que j'ai le zap Mini futaille aussi sur le... sur mon petit perso. Attendez, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Là, il faut foncer zap mini futaille. Voilà. Je sais pas si j'avais zap Scara, il est peut-être plus proche. Ce qui est sûr, c'est que là, les gamins, je galère peut-être un petit peu, mais dès que j'aurai un perso combat, ça va mieux le faire. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, j'hésite vraiment. Je trouve que c'est pas faire, enfin, c'est pas forcément fair play de faire ça. Pourquoi pas échanger des gamins officiels contre ici? Il y en a beaucoup qui le font. Contrairement à ce que pourraient penser certains, il y en a vraiment beaucoup qui le font. Je suis en train de me demander, bon, j'ai 90 millions en Kama cash, quoi, sur... ouais, bon, c'est pareil, on va tracer comme ça sur sur officiel. Pourquoi pas ah bah du coup attendez, je me suis trompé là. Non, le crash, je me suis trompé. Pourquoi pas échanger contre ici? Il y a une personne qui m'a dit qu'elle a échangé 30 millions sur Offi pour en avoir 6 millions ici. Je trouve que c'est pas trop mal. Après, bon, cette personne m'avait dit que ça coûte très plus cher, mais ouais, je trouve pas ça forcément fair play, je sais pas. Faire ça, ça serait opter pour la facilité, je trouve, en fait. Enfin bon, il y en a qui font ça, ben voilà quoi, il y en a qui... Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a qui jouent depuis longtemps, en fait, à 2.5.29. Vu qu'avant, c'était accessible via un VPN, maintenant, bon, tout le monde peut y jouer. Donc, c'est bizarre, j'ai pas le zap à droite, là, là. Donc, je vais y aller, là. Hop. Alors, soit le serveur rame un peu, soit c'est ma connexion qui est dégueulasse. Enfin, peut-être pas dégueulasse. Peut-être un petit peu fort. Qui rame un petit peu. J'en sais rien, des fois, c'est... Ouais, ça se trouve, c'est les deux, hein, vous savez... L'île de Noël est ouverte. Alors lui, il est HS. Juste, ils sont où? Ok. On va pas tarder à les croiser. C'est effectivement vendredi 9. Voilà, heureusement qu'il y a une personne pour le rectifier. Bon. Et bah voilà, je pense qu'ils vont venir là.
Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais lancer un combat, je vais me décorer Echo et puis je vais mettre en 4G. Ça m'étonnerait que ce soit le serveur vu qu'il vient de reboot. Non, c'est bon, a priori la connexion elle est rétablie. Donc mon cry il est là. Enfin, la connexion elle est rétablie, attention, on ne sait jamais. Hein. Vaut mieux ne pas parler trop vite. Bon voilà, alors là je cours. Je cours. Avec mes trois panneaux pic-pic. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'en a prêté deux. Ouais, faudrait peut-être que je pense à lui rendre. Dès que mon lieu est niveau 100, de toute façon, ça me... Je pense que limite, ça me... Ça me dérangerait pas plus que ça. Par contre, enfin, il y a une des panoplies que j'avais droppé, surtout en vidéo, quoi. Impression qu'il y a des bots par ici. Mimou, je sais pas si c'est un gros nom, je pense pas. Bof, j'ai envie de dire, on sait jamais. Hein. Par contre, là, pour up bûcheron, franchement, magnifique. Hein. Les gars, vous voulez up bûcheron, faut venir ici. Hein. Vous avez pu voir, il y avait des châtaigniers, des frênes et tout, il y a personne qui coupe. Là, on devrait sortir d'ici. Alors là, dans quoi je me suis fourré? La question, c'est est-ce que je peux ressortir par là? Ouais. Vent d'offusque à watt 50 sasa et coûte 1,9 million, la vache. Là, il y a une dépresse-pic. J'ai bien envie d'aller au drop, moi. Dépresse-pic. Mais sinon, bon, pour continuer un petit peu parler du sujet de la vidéo, parce qu'il y a quand même deux sujets avant tout l'île automate. Donc ça, bon, là, je vais y aller tranquillou. Mais aussi l'économie. Les gars, dites-moi, vous en pensez quoi de l'économie? Moi, franchement, je trouve elle est parfaite, parce que tout se vend vite, en fait. Tellement vite, d'une rapidité, en quelques secondes. Vous vendez quasiment tout ce que vous avez. C'est une économie parfaite, surtout sur le serveur annual. Parce que le serveur est jeune, enfin entre autres jeune, il me semble qu'il a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Effectivement, il y a déjà quelques niveaux 200, mais comparé au serveur... Au serveur Erat, celui qui a, je crois, 4 ou 5 ans, si je dis pas de bêtises. Alors voilà, vous ressentez vraiment très vite la différence. Erat, il y a beaucoup plus de personnes dessus, mais bon, le serveur est beaucoup plus buggé aussi, donc les pauvres, quoi. Ah, les crabes, je me souviens ça. Un petit peu comme les crabes Prudent, je crois, ou impudent. Imprudent, ça doit être ça. Alors, 15-28, je dois y aller. Alors, c'est bizarre, ils mettent pas les affichages. Pourquoi ils mettent pas les trucs en haut, là? Comme sur 9.29, afficher les coordonnées, voilà. Ok. Alors, Suffocia Brachmarien. Alors, depuis quand c'est à Brach? À moins que ce soit les Brach qui possèdent la zone. Non, encore, je pense que je suis en train de surtout te confondre avec les alliances sur 9.30. Il me semble que... Ouais, mais non, il y a quand même des prismes et tout, ça doit être ça, peut-être. Ouais, voilà, donc Magna, c'est neutre. Il faut qu'il y a... Ouais, voilà, c'est Brachmarien, ouais, ouais, c'est bien ça. Donc en 15-28, je dois y aller. Alors, 15... Ah, j'étais... Oui, c'est ici. 15-28, voilà. Donc les gars, je ferai très prochainement. Je pense que vous voudrez sans doute voir ça. Il y a de fortes chances que je fasse le donjon. Bah, le donjon, comment il s'appelle? Le donjon truc, là. Le donjon grotesque, en fait. Pour justement restat mon yob. Donc je pense, il est fort possible que je filme ça. Comme ça, ça fera du contenu. Ça fera des nouveaux donjons donc sur ma chaîne. Ah bah voilà, je peux bien passer par là. On est d'accord. On est d'accord. Et normalement, je crois que je suis arrivé, non? Ah non, il m'a pas en dessous. En ce moment, on devrait voir le PP, là. Le PP. Alors là, il y a un fail ou... Il se basse. Ah, il doit être une map en... C'est bien 15-28, hein. 15-28, voilà. Ça doit être une map à droite, je pense, ou un truc comme ça. Non, bah, il est où le bateau? Fuck. Dans une maison? Non, ça c'est pas mes maisons en plus.
Ah, quoique, cette maison est gratuite, si je pouvais l'avoir, non, après. Mais je rentre dans des maisons comme As, moi. Non, je pense que c'est pas 15-28. Parler au vieux Cradock. Alors, les gars, est-ce que vous voyez le vieux Cradock? À moins que je le vois pas, peut-être, ici, là. Non, ouais, mais de toute façon, moi, je pense qu'il est plutôt vers là. On doit descendre, je crois. Voilà, c'est... Voilà, les gars, quand même, hein. J'ai pas 8 ans de jeu derrière moi. Enfin, 7-8 ans de jeu derrière moi pour rien. Chier, un petit peu Wissitus, ce vieux, là. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y aura des monstres à combattre. Et ça me fait peur. J'ai peur parce que je suis en panneau assassin, en fait. Ah là là, vivement le panneau combat, là. Que je fasse des tracks, vous avez kiffé, vous allez voir. Accepter, aller sur l'île. Accepter de rapporter les fournitures. Ah bah justement, attends, Calmos, parce qu'en fait, les fournitures, faut que je les donne à chacun. Donc, chacun a un boulet, déjà, de base. Un autre coco, un coffret, hop, une oreille, 8 de sésame, 2 pointes. Et voilà. J'ai l'impression que je suis en train de préparer une recette de cuisine, les casse n'importe quoi. Bon. Ça c'est fait. Et maintenant sur le cra. Donc c'est pareil, là une recette de cuisine. Et le boulet il y a déjà. Donc voilà, 270 000 kamas. Franchement les gars, putain, vivement que j'ai hâte d'atteindre le million, je serais tellement fier. Je posterai direct une vidéo. Alors là, c'est sûr. Bah de toute façon je vous ai quand même posté une vidéo lorsque j'ai drop une coiffe bouffe. Ah voilà. Et j'ai gagné 30 000 pecs. En fait, c'est rien du tout, vu que je prenais des 1 million et tout. Quand je faisais Donjon Rat Noir, alors... Ok. Alors, Delevan, il est dispo. Je vais sur l'île, là, justement. Bah, ouais, pourquoi pas. Tu gères. Bah, il est niveau 100. Bah, du coup, ça fera office d'une autre vidéo. Je pense pas vous la faire maintenant. Ok, bah attends-moi devant. Merci. En tout cas, merci à Delevine qui va me. A priori, qui va me faire le donjon. Bah, de base, c'était Fanta qui devait me le faire. Le donjon. Oh putain, non, ce que j'ai dit, on est attaqué par des pirates. Fuck des shit. Ils sont où les pirates? Ah, oh, ça va, il est niveau 20. C'est... Oh, c'est bidon, quoi. Allez, let's do this. Bon, je suis en panneau sasa, mais je suis pas noob, ok. J'ai pas trop le temps non plus, hein. Krarox, juste il a pas 200 points de vie, bon, 150. Bon, j'ai pas trop le temps de niaiser, si vous voyez ce que je veux dire, donc on va essayer de... On m'attend quand même pour un donjon grotesque, hein, s'il vous plaît. Donc je vais me booster. Oh là là. Quel yop. Enfin, quel crap plutôt, parce que... C'est pas un yop qui ferait tir puissant. Oh là là. Et non, mais je sens que là, je vais le one turn. Alors, non. Non, DSL. Alors. Hop. Je vais faire ceci. Flèche magique. Eh, hey, 71. Ah la vache. 77, allez, 2 points de vie. Il a un double def à voir, les gars. Donc je passe. Je passe. Et je trépasse. J'ai l'impression que je vais up, non, parce que ça avait un petit peu bugué. Et souvent c'est comme ça. Donc j'ai drop un crochet bidon. Bon. Il ou l'autre. Il est là. Nakumba. Non mais en fait, bon, pour ceux qui connaissent Macumba, c'est une musique très célèbre. Bien sûr, très très célèbre. Bon. Ah, déjà 20 minutes de vidéo. Non mais la vache, non mais de toute façon, le temps passe tellement vite lorsque je joue à Dofus, c'est assez, hein, c'est assez... Enfin, lorsque je filme surtout en fait. En cours, ça passe tellement lentement, mais lorsque je filme... Bon, je devrais le finir.
Et voilà, XZR, ça, s'il vous plaît. Enfin, si t'attends, ça, quoi. Et voilà le canon. Canon quoi là? Canon Dorf, ouais. Je m'en souviens de lui. Bon. Est-ce qu'il a des faiblesses terre? Non. Ah, j'adore le bruit de puissance, pas vous? Ça fait. Genre, il me tape à distance. Alors, lui, mais il va s'en manger une. Je fais un dévouement déjà. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être. Flèche glacée. Putain, non, mais j'ai même pas la PO. Non, mais allô? Genre, je tape aussi peu, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il tape pas. Ok. Ou par contre. Alors là, les gars. Juste un conseil, fermez les yeux parce que. Oh putain, non, mais. Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que c'est. Allez, fuck le châle, hein, franchement. Mais non, mais je sais pas, moi j'ai cru que je pouvais monter sur la chaise. Normal, quoi. C'est classique, c'est Dofus. Mais justement, il y a pas de logique dans Dofus. On continue le voyage. Et c'est là qu'on va s'arrêter dans l'île de mort, là. Mais bon, je veux pas y rester longtemps, ne vous en faites pas. D'ailleurs, j'ai peur parce que les mobs, en fait, ils vont me défoncer sinon. Continuer la discussion, continuer. Accepter la quête. Hop, hop. Accepter la quête. Hop, hop. Accepter la quête. D'ailleurs, j'ai même pas fait des nuits dans ma team. J'ai vraiment pas. J'ai pas trop envie de faire le gars full drop et tout, les gars, faut dropper. Alors, peut-être qu'un jour, je me ferai un nuit dans la team, mais. Vu que j'ai pas encore de panneau combat, enfin de perso combat, donner les objets, donner les objets. Et voilà les gars, et on repart normalement. Y'a moi tu me laisses repartir s'il te plaît, j'ai peur là. Ouais. 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 Oui, vite, j'ai peur. Oh putain les gars, je suis automate. Je suis trop content. Ok, cool. Oh la vache. Bah, je vais demander, mais je crois qu'il n'y a personne de connecté ici. Si tu veux faire le petit grotesque, tu peux venir avec moi. Bon, bah écoutez, les gars, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Donc, je vous ai un petit peu parlé de l'économie qui était parfaite. Je voulais, bon, vous en parler dans une autre vidéo en parlant de en vous montrant sans doute des ventes et tout, mais bon. C'est pas grave, on a fait ça tout en allant sur l'île d'Automail. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, les amis, c'est la première fois que je suis sur l'île Automail sur 2.1.29. Même avant, quand je jouais et tout, j'étais jamais parti avant parce que j'étais un petit noob à l'époque. J'étais resté donjon blop et tout, mais franchement, l'île de Noël, putain, l'île de Noël, l'île d'Automail, pardon, est vraiment magnifique. Limite, je préfère là sur 1.29 que. Sur 2.30, c'est assez joli. En tout cas, les amis, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus, comme d'habitude, c'est en termes de like. Plus vous lâchez de like et plus je vous sortirai de vidéos de ce genre. En tout cas, les amis, c'était Joystick. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bon, normalement, la prochaine vidéo de 5.9, ce sera le donjon avec. Monsieur Naito et Delevine, c'était Jessic. Ciao les gars.